Théa, il n'y a pas de souci, hein? Oui, moi, il n'y a pas de souci. Ok, bon, bonjour Théa, bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Hein. Bonjour. Voilà Théa, donc aujourd'hui c'est pour ta soeur, c'est ça, qui est à Tahiti, hein, Jaina. Voilà. Voilà, et qui est de garde à l'hôpital et qui ne peut pas faire sa session. Puis les lignes Internet chez nous sont tellement lentes puisque tout le monde est dessus. Donc, elle a demandé cette nuit, elle m'a appelé pour demander à ce que je la représente pour sa session. Parce qu'elle D'accord. veut vraiment qu'elle soit prête. Hein. Alors, raconte-nous alors. Enfin, raconte, sans trop Bon. s'étendre sur l'histoire, mais Voilà. c'est Non. quoi sa demande Alors, alors? eh ben, là, elle est, son, a été diagnostiquée Covid. Hein. Qui Donc, ça? beaucoup Il y a de. une coupure, Son il y a des coupures. fils Ah. cadet Ah. est malade, est à la maison. Il a été diagnostiqué Covid, donc elle aimerait bien voir sur le plan éthérique ce qui se passe. Hein. Elle, à l'hôpital, ils ont énormément de travail hein, parce que ils ont, comment dire, ils sont sur les dents, bien sûr. Et puis, beaucoup de ses collègues ont été diagnostiqués aussi Covid, donc elle fait des heures sup, elle fait des gardes de longues heures de travail, elle est sur les rotules. Et puis, donc, elle avait demandé sur le plan éthérique de voir ce qui se passe au-dessus de l'hôpital. Et si on pouvait mettre l'hôpital dans une bulle christique pour de limiter les dégâts. En ce qui la concerne, elle, sur la santé, bon, c'est là, je suppose que c'est l'habituel de tous les personnels soignants à l'hôpital, donc des douleurs, je pense, habituelles pour tous les soignants, c'est-à-dire des douleurs dans le dos, les jambes, les. Donc, comme je suppose tous les personnels soignants, je ne vais pas revenir là-dessus. Au mois de Monsieur, si, juillet, faut quand même en parler parce que voilà, là, on parle oui, d'elle, quoi. des grosses Hein? douleurs, mais bon, c'est, je suppose que c'est aussi la tension, le stress et des grosses angoisses à gérer au niveau des patients et de Non, l'administration. mais ne me donne pas d'explication. Donc, Parce douleur dans le que, dos, bon, voilà. pas toujours en douleur dans le Voilà. dos, Dans les le dos, les genoux, jambes. les jambes, les bras, oui. Et aussi dans la partie basse au niveau du ventre. Hein. Parce qu'au mois de juillet, elle a été opérée d'un kyste, de son kyste au niveau de l'utérus. On a enlevé 4 litres 500 d'eau et Ah on oui. lui a enlevé la trompe droite. À savoir que dans la famille, nous sommes une généalogie de femmes porteuses du cancer, hein, l'utérus et du sein. Donc, elle a déjà été opérée avant pour des kystes hein, au sein et aux ovaires, hein, mais c'était la première fois qu'on l'opérait d'un kyste aussi énorme. Elle n'a jamais eu ça avant. Donc, elle voulait savoir sur le plan hystérique ce qui se passe aussi. Alors, Sinon, j'aimerais savoir une chose, tu sais, parce que oui. donc elle a eu une séance le 20 février 2020. C'est Et exact. quels sont les bénéfices qu'elle a constatés de sa Rien. séance, tu sais? Pareil. Les mêmes blocages. Exactement les mêmes blocages, pareil. Alors, Ah oui. elle a travaillé, elle a regardé ses sessions et tout. Et là, en juillet, elle a juste baissé les bras. Elle a dit, quand elle a eu son gros kyste, qu'elle a fini au bloc opératoire, elle s'est dit, c'est bon, je rends le tablier spirituel. Mais Bon, bon, on va regarder on ce qui va s'est voir sur le passé. point éthérique ce qui se passe, oui. OK. Parce que elle élève seule ses deux enfants. Hein. Et puis, à savoir, en Polynésie, on n'a pas les aides pour le personnel soignant comme en France. Ils n'ont pas d'aide à domicile pour faire les cours, pour assister quand ils travaillent à l'hôpital. On n'a pas tout ça chez nous. Hein. Donc, elle est vraiment toute seule avec ses deux garçons. Donc, voilà, ça, c'est pour la santé. Ensuite, alors, pour elle-même, donc, elle n'a toujours pas déménagé. Elle vit au même endroit. Et son permis de conduire, elle n'a toujours pas réussi à le passer. Elle devait le passer au mois de juillet. Et puis, bon, elle a eu cette opération, donc elle a été immobilisée. Et elle aimerait bien le passer un jour, son permis de conduire, si on peut lui donner un coup de pouce là-dessus. D'accord. Je pense qu'avec le confinement, ça a été compliqué pour elle de se trouver un nouveau chéri, parce que, comme elle a dit, bon, tout le monde a des soucis. Et puis, elle, je pense qu'elle avait du mal à s'engager. Donc, elle cherche un chéri stable, pour l'instant qu'elle n'a pas trouvé. Et elle a aussi quelque chose qui est en stand-by. C'est le partage des terres de la famille venant bon, pas seulement du côté de notre maman, mais également du côté de son papa, parce qu'on n'a pas le même père biologique. C'est au point mort, pareil. Comment on dit, ça n'avance pas, les gens ne viennent pas aux convocations chez le notaire. Le partage, pareil, ça stagne aussi. Bon, le confinement, je pense, a été également une des causes principales. Hein. Là aussi, c'est bloqué. Elle aimerait également finaliser le partage et bénir les terres
qu'elle va, qu'elle a, pas seulement du côté de ma maman, mais surtout de son papa. Si on pouvait, parce qu'elle soupçonne du travail occulte là-dessus. Et elle connaît les personnes en question, les protagonistes en question. Par Donc, elle a rapport au quoi, tu dis, au déménagement de... par rapport au partage des terres du côté de son Oui. papa, parce qu'on n'a plus le même papa biologique, hein, Ouais. elle soupçonne du travail occulte et elle a demandé si on pouvait bénir les terres, parce qu'elle soupçonne de la magie noire. OK. Voilà. Alors, après avoir si Alors, le c'est plan vrai était qu'elle a eu vite, sa qu'est-ce qui séance s'est en passé? février. Elle a eu Oui. la séance en février et en mars, il y a eu le confinement. C'est... Voilà, c'est ça. Et Et entre tout a été. février et mars, elle a eu quand même, elle a eu du bien-être ou pas? Ben non, puisque c'était confinement en Polynésie à cause du Covid. Et c'était le, comment dire, et c'était confinement très strict, comme en France. Du coup, Non mais, comment dire. non mais le confinement a eu lieu en mars. Donc Oui. entre février, au moment de sa séance, et mars, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout parce que elle avait justement c'est là qu'elle avait fait les rendez-vous chez le notaire pour le partage des terres. Elle s'est inscrite à l'auto-école pour passer son permis de conduire. Après, elle avait pris également des formations à côté pour faire comment dire parce qu'elle il y a une énergéticienne qui travaille à l'hôpital qui a été embauchée, qui est officielle, hein, et justement elle voulait faire une formation palliative dans l'équipe de cette énergéticienne. Et avec le confinement, c'est tombé à l'eau. Ah bah oui, c'est sûr que ça a cassé beaucoup de choses. Hein. Et puis C'est beaucoup de gens ont baissé les bras voilà. en même temps. Beaucoup de gens se sont laissés Voilà. décourager Et par ces ben mesures. voilà. Plutôt Oui. Et que puis de se alors, considérer comme des guerriers de ouais. lumière, les gens baissent les Voilà. bras au premier tournant, quoi. C'est un Et puis peu. en revanche, à côté, ils ont eu des formations en accéléré, plan urgent Covid. C'est-à-dire que comme nous, on n'a pas des appareils respiratoires dans notre hôpital pour une grande. Pour beaucoup de personnes. Donc, on a 18 lits et au cas où on aurait plus de 18 personnes hospitalisées en même temps aux urgences, il fallait que le personnel soit apte à faire en manuel comment on appelle ça, le travail respiratoire pour aider, puisqu'il n'y a pas de machine. Donc, les machines, c'est les bras des aides-soignants. Et ben, ils ont bien travaillé pendant 3 mois. Ils ont eu des formations pendant 3 mois sans relâche. Donc, quand ils ont déconfiné, ils étaient contents parce qu'ils n'avaient plus besoin de faire ça tous les jours. C'était obligatoire, c'était imposé. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ben, je crois que c'est à peu près tout ce qu'elle m'a dit. Elle est. Voilà. Moi, je Elle. pense qu'il y a Ah oui, elle déjà. a demandé si on pouvait faire couper les liens toxiques et toutes les dépendances parce qu'elle fume, par exemple. Elle a du mal à quitter la cigarette, mais elle m'a dit, je suis tellement sous pression, sous tension, que j'ai du mal à décrocher du tabac. Et elle voudrait vraiment, et puis de l'addiction à la nourriture. Bon, là aussi, elle me dit, je suis tellement stressée, fatiguée, que je suis boulimique, je mange n'importe quoi, je m'alimente mal. Et voilà, couper ces dépendances-là et couper les liens toxiques. Et pour le tabac, elle est motivée ou Comment? pour le tabac, elle est Là, motivée pour arrêter? eh ben, elle est épuisée, hein. Ben ça, elle est épuisée, elle n'est pas payée pour ses heures sup. Quand elle est en congé, on Donc, l'appelle pour non, venir je disais travailler. pour le tabac, est-ce qu'elle est motivée? Mais justement, elle est motivée parce qu'avec son opération du mois de juillet, le chirurgien lui a dit qu'il faut vraiment qu'elle arrête le tabac. Ok. Donc là-dessus, elle est consciente, hein. Bien. C'est... Alors, pour inviter les personnes pour sa session, donc elle a demandé, bon, bien sûr, les deux familles, là, et elle a demandé si elle pouvait inviter tous ses collègues de l'hôpital, mais inclut tout le personnel, c'est-à-dire inclut, elle m'a dit, le personnel qui nettoie l'hôpital, les personnels qui préparent la nourriture, parce que comme elle a dit, quand on parle de l'hôpital, on parle que du personnel soignant, mais à l'hôpital, il y a aussi des gens qui servent Eh la nourriture à la oui, il y a du monde, cafétéria, hein, bien sûr. qui nourrit le personnel. Et les patients, ainsi que le personnel qui fait le ménage, et on les oublie la plupart du temps. Et elle voudrait faire quelque chose d'expérimental avec, enfin, toutes les deux, on a décidé, si on pouvait inviter également, bon, toutes les personnes qu'on connaît, mais surtout les abonnés, Pascal. Tous les abonnés de ta chaîne qui ont envie de venir assister à ta session, ils viennent. Ceux qui ne sont pas Bah, intéressés, c'est par l'idée exemple. que j'avais aujourd'hui, tu vois. Ah ben, c'est parfait. Elle m'a dit, écoute, pour sortir un peu de cette morosité planétaire,
Allez, chuche, on va inviter toute la communauté YouTube de Pascal à m'assister. En fait, pour tout dire, il y a une personne qui m'a fait une suggestion sur une vidéo que j'ai sortie récemment et qui me demandait justement, qui me proposait Voilà. voilà, quelque chose que je vais faire Je pense tout qu'on à en a l'heure, tous besoin en ce moment, si je Pascal, n'oublie pas. parce que voilà. Non, mais c'est pas grave. Si tu oublies, je vais le marquer sur une feuille, je mettrai ma main Non, dessus, non, ce mais je sera n'oublierai pas, en conscient. fait, j'ai noté, t'inquiète pas. D'accord, voilà, c'est super, Pascal, merci. Bon, ben écoute, on fait ça. C'est tout bon alors? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon pour ma sœur. Bon, je te laisse couper le son et puis on y va. Parfait, on y va. À présent, côté connexion et protection sont faites. Dis-moi quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 390. 390. Parfait. Attends. Non, 390. C'est bizarre, ça fait un premier palier, comme un premier rebond, avant Oui. de s'élancer jusqu'à 27 000. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça, il y a eu besoin d'un palier? Je sais pas. C'est comme quand tu te trouves au bord d'une piscine et que tu t'apprêtes à sauter. Et tu vas sur le plongeoir et le plongeoir est à un certain niveau, mais tu sautes légèrement dessus, tu le fais vibrer en quelque sorte. D'accord. Et il y a des changements de niveau avant que ça bouge, avant le saut. Et Ça pourquoi est-ce fait qu'il y a eu pas besoin trop de très ça pareil. aujourd'hui et pas les autres fois? Il y a une situation particulière à voir? Non, je sais pas. Bon, nous verrons. Connais-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 403. D'accord. Je te laisse augmenter. Donc, je m'aligne sur toi. C'est bon. Bien, alors à présent, connecte-toi sur Jaina et dis-moi comment tu la vois. Elle est engluée dans des couches sombres. C'est des sortes de sables mouvants, mais horizontaux. C'est marron, noir, gluant. Il n'y a aucune visibilité, en quelque sorte. C'est très lourd et c'est très dense. Toutes ces énergies sont comme aplaties entre ces couches noires, denses et gluantes. Ça ressemble à des sables mouvants, mais en plus collants. D'accord. Elle est maintenue là, dans une sorte d'immobilité, de renoncement, c'est ça, dans une sorte de renoncement. C'est pour ça qu'elle est immobile. Un petit peu comme quelqu'un qui est pris dans les sables mouvants, qui commence à s'agiter au début et qui petit à petit arrête de bouger et laisse faire. C'est un peu ça. Ok. Que vois-tu d'autre? Ces énergies sont dispersées dans cette couche-là, c'est-à-dire que je ne perçois pas son espace énergétique comme étant homogène avec les corps subtils déployés. Tout est comme aplati, sans énergie, et englué et immobile. Et c'est Bon. tout. Et c'est tout. Est-ce que tu vois des dispositifs sur elle si tu scannes tous ces corps? Non, je ne perçois pas de dispositif en particulier. Il y a simplement cet état énergétique
qui suffit amplement à la bloquer, à l'immobiliser. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes, nous sommes en novembre, elle a eu une séance en février et elle se trouve aujourd'hui dans cet état. Alors, je veux que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé entre février et aujourd'hui qui lui a permis d'être dans cet état malgré le travail qu'elle a fait. Donc, fin février, et tu fais le déroulé de toute ouais, de l'espace-temps jusqu'à ici et maintenant, et regarde ce qui se passe. Dès qu'elle a entamé son voyage dans la phase de métabolisation, elle a été comme happée dans le brouillard, une sorte de brouillard épais avec des ombres mouvantes. Et au fur et à mesure de son avancée, ce brouillard énergétique s'est épaissi et est devenu de plus en plus dense jusqu'à être ce qu'il est maintenant. Jusqu'à avoir cette densité qu'il a maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui a permis qu'après son travail, elle ait pu être happée par ce brouillard? Parce qu'elle évolue dans un environnement où règne ce brouillard. Oui, mais elle aurait pu être protégée par rapport à ce qui a été fait. Qu'est-ce qui fait que ces protections n'aient pas fonctionné? C'était trop lourd. C'est comme s'il y avait eu trop de sollicitations extérieures, d'obligations qui ont fait qu'elle n'a pas trouvé la force suffisante pour rester tournée vers l'intérieur. D'accord, donc trop distraite et happée par l'extérieur, c'est ça? C'est ça. Je ne sais pas si on peut parler de distraction. C'est beaucoup plus fort que ça. Enfin, je veux dire, son attention a été tournée vers l'extérieur plus que Oui, l'intérieur, oui. de par les obligations, les nécessités, les Oui. so sollicitations, c'est ça? C'est ça. Quelle aurait été la bonne attitude pour elle dans cette situation? Quand je dis bonne, bien sûr, c'est pas un jugement, mais qui aurait été l'attitude la plus productive pour elle, pour qu'elle évolue dans cette situation sans être atteinte. Il n'y a pas de réponse absolue. Une des solutions aurait été de couper les liens avec l'extérieur, mais en même temps cela aurait rompu une sorte d'équilibre nécessaire au bon déroulé de la métabolisation. Il n'y a pas de réponse réellement. À partir du moment où elle est en interaction constante avec le monde qui l'entoure, et que ce monde qui l'entoure est englué dans cette sorte de brouillard lourd et dense, forcément, les échanges se font. Comme aspiré par l'extérieur, parce que c'est beaucoup plus lourd et dense à l'extérieur. Quand tu parles de l'extérieur, tu parles du milieu professionnel, familial, relationnel. De quoi tu parles? C'est principalement professionnel et social, plus que familial. Ok. C'est comme si dans l'absolu, il aurait été presque nécessaire qu'elle prenne une distance comme un congé sabbatique ou quelque chose comme ça pour une remise à zéro complète de ses énergies pendant toute la phase de métabolisation. Un bon confinement pour elle, quoi. Pour ne pas faire d'humour. Mais ça n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas possible dans son contexte.
Mais oui, vu qu'elle est infirmière, c'est ça que tu veux dire? De par son activité professionnelle et le milieu dans lequel elle évolue, ça n'est pas possible. Elle est obligée de faire appel à d'autres ressources. C'est comme si elle n'avait pas eu l'accès à ces ressources-là précisément. Bien. Alors, est-ce que tu as d'autres observations à faire? Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à voir ou pas? Non, hormis cette sorte de... C'est comme une sorte d'étouffement énergétique. Elle est dans une sorte d'étouffement énergétique, là. C'est ce qui domine. Bon, alors identifie-la, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, de Jaina. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non. Donc, je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Il y a quelque chose de très dense et de conscient. Ce sont comme des sortes de consciences de type démoniaque qui viennent s'enrouler autour d'égrégores et ça crée comme des sortes de bobines, comme quand on parle de bobines électriques. Ça crée des bobines énergétiques. Et ça, c'est tout autour d'elle, autour de son espace énergétique, et les rayonnements viennent traverser son espace énergétique. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Proche d'elle, c'est tout, mais c'est suffisamment puissant pour l'immobiliser totalement. Bien. Alors, jusqu'au plan archiavélique, pour n'oublier personne. Il y a des puissances de type démoniaque qui s'étirent de bien-être hein, parce que leur espace s'est agrandi. D'accord, ils se délectent, c'est ça. C'est ça, C'est la fête pour eux. en quelque sorte. Et en arrière-plan, il y a la présence archontique. Bien. Bon, alors elle va déclarer qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans tous les états de conscience. Donc elle ouvre un portail dimensionnel, toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine, ses énergies d'origine vues et pas vues, tous les implants, etc., dispositifs vus et pas vus, disparaît avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copie-coller, programmation 1, 2, 3. Ça part avec difficulté parce que c'est très lourd et très gluant et collant. Alors, Tout n'est pas regarde. parti, il reste des lambeaux. Alors, regarde qu'est-ce qui fait que ça ne part pas. Cette part à elle qui permet cette accroche, puisque nous avons toujours une responsabilité dans cette situation. Renoncement, découragement, fatigue. Voilà. Bon. Alors, dans un premier temps, elle va se mettre dans une bulle christique. Oui.
Elle va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Se connecter à son essence. Oui. Et là-bas, elle va reprendre, elle va aspirer l'énergie du cœur de Gaïa, reprendre de la vitalité, de la force. Oui. Elle aspire l'énergie de son essence avec information et conscience. Elle Oui, c'est fait. se rappelle et elle se con. Et donc elle retrouve le contact de qui elle est. Oui. Et elle s'emplit d'énergie, de conscience, de vigueur, de vitalité, de puissance. Ça fait remonter en puissance et en vitalité sa flamme intérieure. Très bien. Ça lui permet de brûler ses derniers lambeaux et morceaux de basse fréquence qui restaient accrochés à elle. Bien. Alors par son Bien. chakra cardiaque, elle active sa flamme, elle la fait grandir. Oui. Elle devient immense. Ah oui. Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle est toujours dans le découragement? Non. Bon, elle se rappelle de qui elle est, elle le sent. Oui. Maintenant, oui. Bon, parfait. Alors, donc tout est parti, scanne là. Scanne partout et regarde s'il ne reste plus rien. Sur toutes les fréquences, dans tous ses corps, Non, il n'y a plus intérieur, rien. surface, extérieur. Très bien. Bien. Alors, regarde son soi supérieur. Où est-il? Sur quel plan? Et dans quelle situation? Il est toujours sur le plan moroncel, mais c'est comme s'il s'était rapproché d'elle en prenant comme support sa partie subliminale qui a plus d'intensité. Il y a beaucoup d'intensité dans sa partie subliminale. C'est depuis quand qu'il s'est rapproché d'elle? Depuis la phase d'après de la dernière séance. D'accord. Malgré la situation, il a pu s'approcher d'elle, Oui. malgré cet engluement, cet embourbement, Oui. cet enlisement. En fait, l'énergie a commencé à circuler de façon fluide. C'est comme s'il y avait eu une concentration d'énergie venant directement du soi supérieur qui est venue dans la partie subliminale. Et à partir de là, les communications se sont comme étouffées, arrêtées. Mais il y a cette énergie, comme une sorte de boule d'énergie, qui est là, toujours présente au niveau du moi subliminal. Mais comme les communications sont coupées, ça reste à ce niveau-là et ça ne parvient pas jusqu'à la partie physique. Bien. Ok. Comment tu vois son âme? Elle est coupée des autres parties d'elle-même et en état de découragement, solitude et découragement. Bon. Alors, je veux que tu ailles. Donc, je veux voir exactement ce qui s'est passé. Donc, après la séance. Tu retournes à ce moment-là et que tu vois comment elle est arrivée à cette situation d'engluement. Dans un premier temps, il y a cette énergie fluide, haute, vive, légère, qui a commencé à circuler entre toutes les parties d'elle-même, qui circulait librement, du soi supérieur jusqu'à la partie physique. Et petit à petit, c'est comme si une sorte de brume dense avait commencé à monter. Et était venu brouiller cette circulation énergétique. Voilà, regarde là, un arrêt sur image. Regarde cette brume dense, d'où est-ce qu'elle vient?
Elle vient à la fois de d'en bas, mais quand je dis d'en bas, c'est pas que ça vient du sol, c'est que ça vient De basse fréquence. de basse fréquence, oui, comme si les basses fréquences montaient, mais montaient dans le sens, elles prennent de l'ampleur, elles se déploient, elles viennent envahir tout l'espace et elles se relient, elles prennent de la force parce qu'elles se relient à des égrégores et à un inconscient collectif humain. Alors, je veux que tu regardes d'où vient cette basse fréquence. C'est difficile à dire parce qu'elle se nourrit d'elle-même. Ça fait comme des volutes, donc comme des volutes de fumée. Donc il faut remonter à l'origine de ces volutes de fumée. Vas-y, remonte. L'origine en est archontique. Bien, bien sûr, évidemment. Alors donc, ces basses fréquences, elles ont toujours été là, d'une certaine manière. Il y a seulement des événements qui ont fait qu'elle est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Voilà. Quels sont ces événements? Bien sûr, on parle des égrégores, de l'inconscient collectif, mais tout ça, c'est pareil. Ça a pris un essor qui est dû à quelque chose. Il y a quelque chose qui a été déclenché, ou plus Oui. exactement, il y a eu des déclencheurs en cascade. C'est ça que je veux savoir. C'est comme une sorte de jeu de domino. Quand un premier domino tombe, quand un premier déclencheur est mis en place, est activé, il y a comme un effet de cascade qui active tous les autres. Alors, regarde quel est le premier déclencheur et regarde les autres qui ont suivi. Je veux connaître le processus, je veux savoir d'où ça vient et par quel processus. Il y a eu comme des sortes d'alertes qui sont arrivées sur le plan archontique, comme quoi l'espace terrestre rentrait en zone d'urgence et qu'il était temps de déclencher le plan d'urgence ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, le premier déclencheur s'est activé. Et Qu'est-ce ensuite, qui a provoqué cette alerte au plan archontique? Il y a quelque chose au niveau de la division, comme si la Terre se séparait en deux, comme une sorte de fermeture éclair qui s'ouvre et qui vient séparer deux types d'énergie. Et ça n'est plus gérable au niveau archontique, c'est-à-dire que leur espace d'action est menacée. De Alors là justement, vient la première alerte. d'accord. Alors regarde cette scission en deux de la part de la Terre. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se scinde en deux? Les énergies au niveau terrestre. Très bien. Et regarde qu'est-ce qui provoque ça? Un cycle naturel. C'est comme si sur une perspective beaucoup plus large, il avait été permis, dans une sorte de cycle d'expérimentation, il avait permis, à ce système archontique de s'exprimer, de se développer, mais, à l'intérieur, d'une sorte de cycle, et ce cycle se termine à amorcer sa fin. Et c'est Et là où s'est déclenchée l'alerte. très bien. Donc ça veut dire que le monde archontique crée des résistances à cette fin qui se profile. Oui, il crée des résistances à sa propre extinction. Très bien. Et quand tu dis qu'il a été permis au système archontique
de s'exprimer, permis par qui? Par la source elle-même. La source. Très bien. Ok. Bien. Et donc, il s'agit donc d'un phénomène énergétique terrestre. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui ont permis ça également? De quoi est-ce que tu parles exactement? Eh ben, c'est qui a permis que cette alerte ait lieu sur le plan archéologique ou qui se sent menacé dans la situation. Est-ce qu'il n'y a qu'un phénomène des énergies terrestres et de ce cycle ou il y a d'autres choses? Je pensais par exemple à la conscience humaine. Est-ce que une part de conscience humaine, peut-être par un éveil ou autre, est aussi responsable de cette alerte? C'est un effet combiné. La conscience éveille humaine. La conscience humaine s'éveille justement parce que cet espace où les archontes avaient pu s'exprimer arrive en fin de cycle. Donc, par un effet de balance, les consciences humaines s'éveillent. Bien. Ça n'est qu'une histoire d'équilibre, de cycle et de balance. Alors donc l'alerte des archontes a lieu. Quelle disposition prennent les archontes pour contrer ça alors? Comment est-ce qu'ils agissent maintenant? Ils agissent sur plusieurs fronts en tentant de ralentir cette fin de cycle, ils tentent de dupliquer ce cycle pour le reproduire. C'est-à-dire que d'un cycle unique, ils tentent de le dupliquer pour en faire des cycles multiples qui se reproduisent automatiquement. C'est-à-dire qu'arriver à un moment de ce qu'on peut appeler de remise à zéro ou quelque chose comme ça, au lieu que ça reparte vers autre chose, il tente de mettre en place comme une imitation, une copie pour que cela reparte vers un type de cycle qui leur soit favorable et qui soit une copie au cycle qui vient de se passer déjà. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de supprimer cette copie ou de l'éliminer ou de l'éviter? Oui, parce qu'elles ne sont pas parfaites, ces copies. Mmh. Elles sont effritées. Elles ne sont pas terminées. Elles ont comme des sortes de marques de fabrication. Et à ces endroits-là, ça s'effrite, l'énergie est effritée. Très bien. Alors donc, quelle est la faille et de quelle manière peut-on agir? En augmentant ces zones d'effritement. Et bien, par quel moyen? En y envoyant des ondes d'intention qui viennent fragmenter les énergies archontiques. Très bien. Si le collectif humain se mettait ensemble pour envoyer cette intention, ça contribuerait à étendre cet effritement? Oui, ce sont des intentions qui doivent être doublées de l'énergie de l'amour inconditionnel. Eh oui. Bon. Ok. Alors, donc, comme tu dis qu'ils agissent sur plusieurs fronts, donc il y a ralentir donc, le processus et le dupliquer. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées? Oui, des tentatives d'installer ces modèles dupliqués. Mais là où réside leur difficulté, c'est qu'aux extrémités de ces modèles dupliqués, il y a justement ces zones d'effritement.
Et pour que ces zones d'effritement puissent s'accrocher à cet endroit pivot, il est nécessaire d'obtenir le consentement des consciences humaines. Très bien. Alors, de quelle manière est-ce qu'ils s'y prennent pour obtenir le consentement de la conscience humaine? C'est un point important, ça. Ils tentent de le faire sans que les humains, sans que la conscience humaine s'en aperçoive. Je parle de la conscience humaine en général, puisque l'ensemble des consciences humaines en forment au final une seule. Donc il y a tentative d'agir en sous-main, l'air de rien, en montrant les choses comme le ferait un prestidigitateur, un magicien, si c'est. Prestidigitateur, oui, Oui. prestidigitateur, oui. Et de quelle manière ils s'y prennent concrètement alors? Regarde. C'est montré, c'est annoncé, mais sans que l'on puisse y accorder de l'importance. Oui. Tout comme un magicien va montrer sa carte, mais en attirant l'attention des spectateurs sur autre chose. Oui. Mais la carte est montrée. Ok, alors comment concrètement montre, regarde comment est-ce qu'ils s'y prennent pour que les humains se laissent berner comme ça? Tout se passe exactement comme ce qui vient d'être décrit. Toutes leurs intentions sont annoncées. D'accord, mais Mais des non. exemples concrets, qu'est-ce qui est annoncé alors? Quel genre d'attention? Tout ce que l'on peut appeler leur plan, tout est annoncé. Que ce soit dans des. C'est souvent fait de façon détournée par des supports, que ce soit par la parole, que ce soit par des œuvres d'art, par des films, par des je sais pas, par des chansons, par des livres, par des dessins. Tout est annoncé systématiquement, mais à chaque fois, l'attention des humains est détournée vers autre chose pour qu'ils ne regardent pas dans la bonne direction. Le processus est toujours le même. Ok, alors qu'est-ce que tu vois qui a été annoncé et dont le regard humain a été détourné? Il est annoncé la mise sous tutelle de l'espèce humaine. Bien. Il est annoncé sa quasi complète destruction. Pour n'en garder qu'une infime partie qui sera entièrement sous contrôle et qui servira uniquement de support dans cet espace 3D et de nourriture énergétique. Bien, voilà, c'est déjà plus C'est clair. annoncé clairement, mais personne ne regarde. Alors, maintenant, regarde de quelle manière il détourne l'attention. L'attention est détournée par des divisions entre les humains eux-mêmes, par la création factice de conflits, de guerres idéologiques, d'attentats aussi, de chocs émotionnels. Et les attentats servent à créer des chocs émotionnels, ce qui crée une sorte de sidération dans les consciences humaines qui restent figées, bloquées, le regard figé dans une direction pendant que tout se passe en arrière-plan. Bien. Alors, est-ce que tu veux dire qu'il y a des attentats, des conflits, des guerres idéologiques qui sont créés sous des faux drapeaux, par exemple? Oui.
Alors moi, comme j'aime bien le concret, tu vas te connecter sur l'attentat de Nice. Oui. Connecte-toi sur cette personne qui a commis cet acte. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui l'a motivé. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou est-ce que Il c'est n'y a vraiment... aucune motivation, c'est un robot. D'accord. Alors biologiquement, c'est un humain. On le regarde, il est comme toi et moi. On est Oui, d'accord. c'est un robot sous contrôle mental. Alors, regarde dans sa sphère énergétique, dans son histoire, et regarde s'il a subi un conditionnement qui lui a permis de créer cette situation. Ou si ça se passe sur d'autres plans. Est-ce que c'est sur un plan humain, sur d'autres plans? C'est comme s'il avait été élevé pour ça, c'est-à-dire qu'un certains humains naissent avec certaines caractéristiques qui permettent comme des allumages, des amorces, des désamorçages à volonté. Et ils sont conditionnés. La plupart du conditionnement, en tout cas pour lui, se passe sur le plan éthérique pendant les phases de sommeil. C'est comme s'il avait D'accord. été, c'est comme si sa biologie avait été installée sur le plan physique uniquement dans ce type d'objectif-là. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été attentat-là, ça aurait été un autre type d'action. D'accord. C'est quelque chose comme un agent dormant ou quelque chose comme ça. Donc le conditionnement ne s'est fait que sur le plan éthérique. Il n'a pas été dans un camp particulier, suivre un programme comme MK Ultra, c'est pas ça du tout. Pour certains humains, c'est le cas, Non, on parle de lui là. mais pour lui, non, ça s'est fait sur les plans éthériques. Ok. Mais il faut qu'il y ait un terrain favorable. Tu me dis qu'il a été élevé Oui, pour le ça. terrain favorable, c'est génétique. Ah. D'accord. Il a dans sa génétique des programmes qui ont été installés. Oui, Ok. avant, en préincarnation, avant son incarnation. D'accord. Et humainement, sur un plan humain, pour que cela puisse se développer, il a été dans un contexte particulier, il a été élevé dans un contexte particulier. Il a été placé dans le contexte culturel qui sert à des objectifs en arrière-plan, qui sont en arrière-plan dans ce qui est désiré. Il y a plusieurs sortes de ce qu'on pourrait appeler ces agents dormants dans plusieurs types de contextes culturels. Celui-ci a été clairement choisi pour ce type d'action. Il y en a d'autres qui seront déclenchés à intervalles réguliers. Très bien. Alors regarde maintenant qui est derrière tout ça. Regarde si déjà sur le plan humain, surtout sur le plan humain, puisque nous savons que sur les autres plans, bah, on sait qui est derrière. Hein. Mais sur le plan humain, regarde là, dans ce contexte de Nice. Service secret. Service secret de où? Français, américain, autre? Y a quelque chose de couplé. Il y a comme un couple, une alliance franco-israélienne. D'accord. Est-ce que tu as des figures connues? Tout est en arrière-plan, les décideurs sont dans l'ombre. Ce que tu appelles des figures connues ne sont que Des pions? des pantins, des marionnettes. D'accord. Ok. Les décisions ne sont pas prises à ce niveau-là, elles sont prises en arrière-plan, dans l'ombre. Très bien. Alors, il y a toute une vague d'attentats, puisqu'on y est, j'ai envie de creuser, toute une vague d'attentats donc,
qui ont lieu en ce moment, dans ce même type d'énergie. Regarde s'ils ont tous, si elle a, tous a, ont la même origine. Oui, tout est lié. C'est comme, pour faire une analogie, ce sont comme des feux d'artifice qui sont déclenchés les uns après les autres, installés à l'avance, prêts à être déclenchés. Et quand il est décidé qu'il soit déclenché, le dispositif est lancé. Très bien. Alors, quel est leur but derrière tout ça alors? De placer les consciences humaines dans un état de sidération d'une part, pour pas qu'elles ne regardent en arrière-plan ce qu'il se passe, tout comme le magicien, c'est le même principe. Alors, qu'est-ce qu'ils ne voient pas, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que la conscience humaine voit, qui est en train de se passer? De quoi est-ce qu'ils veulent nous détourner de l'attention? De la destruction du genre humain tel qu'il existe maintenant, D'accord. avec ce type de conscience-là. L'objectif est de ne garder que ce que l'on appelle des portails organiques. Le restant de l'humanité avec la conscience divine est considéré comme étant subversif, ou en tout cas représentant un danger. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour la destruction du genre humain, Il qu'ils ne veulent pas suffit qu'on voit? simplement de monter les humains les uns contre les autres. Ils vont se détruire tout seuls. D'accord. Ok. À travers des guerres de religion, etc. Oui. Ils se servent de la religion pour ça. Entre autres, religion, politique, tout type d'idéologie, tout type de conflit, tout ce qui peut représenter un conflit est utilisé. Ça permet de détourner le karma. Ce sont les humains entre eux qui se détruisent mutuellement et qui se créent du karma, qui s'enchaînent via ce karma. Et les puissances qui ont créé ce dispositif en arrière-plan restent en dehors comme spectatrices. Ok. Donc il y a la destruction des humains par eux-mêmes. Et est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour cette destruction de l'humanité, de ce genre qui est porteur de conscience divine, d'essence? Est de fixer un autre cycle de façon sûre et précise et sans être gêné. C'est comme s'il fallait revenir à une sorte de point. C'est ce point-là qui s'approche dangereusement et dont il convient d'en maîtriser l'arrivée précise sur la cible pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle dans la direction qui est désirée. Ok, et qu'est-ce qu'ils mettent en place pour ça alors? À part ces luttes intestines? Ça permet de mettre l'humanité consciente de côté pour qu'il puisse, de l'inactiver en quelque sorte, pour qu'il puisse agir sans être gêner en tout, agir en toute impunité. Ben, je vous dirais, est-ce qu'ils mettent d'autres en place, d'autres dispositions, d'autres dispositifs pour parvenir à leur fin, à part de mettre les gens les uns contre les autres? Je regarde. C'est la cause principale. Alors, est-ce que ça, je vais être plus direct, est-ce que c'est en lien aussi avec tout la 5G, le programme de puissage, etc.? Oui, c'est en lien direct. C'est ce qui permet le contrôle de cette humanité robotisée.
C'est uniquement cette fraction d'unité-là qui leur est utile. Le reste a pour objectif, pour visée, d'être détruit. Ok. Bien. Alors, une des solutions serait que les humains ne se laissent pas berner, quelle que soit leur religion, leur idéologie, etc., et qu'ils voient que tout ça est une manipulation et qu'ils ne tombent pas dans le piège. Exact. Hein? Il faudrait que la conscience humaine se réveille et se pose des bonnes questions. Exact, mais la plupart des humains regardent ailleurs. Ils ne regardent pas dans la bonne direction. Ils se laissent attirer par les lumières des différentes actions qui sont déployées, des actions de diversion. Bien. Alors, quand tu dis qu'ils essayent de d'installer un modèle dupliqué, donc de quelle manière on peut éviter ça alors? Comme dit précédemment, en utilisant cette faille, cette zone où leur énergie est fragmentée. Alors, comment peut-on l'utiliser alors? En déployant la conscience de l'intention, non pas contre, Oui, ça c'est dualitaire, le contre. mais en création directe, pleine et entière de ce qui est voulu et désiré. Et le moteur de ça, c'est comme dit précédemment, c'est l'amour inconditionnel. C'est un moteur puissant qui propulse à grande vitesse toutes les intentions. Alors, pour que ce soit clair pour chacun, est-ce que tu peux avoir des informations sur ce qu'est l'amour inconditionnel? Parce que ce n'est pas l'amour tel que nous le concevons habituellement, humainement. C'est cette sensation. Certains humains connaissent ou ont connu cet état d'amour inconditionnel, cette sensation d'être le tout, à la fois d'être le tout, de faire partie du tout, d'être présent en tant que conscience dans chaque parcelle de l'univers, dans chaque plante, dans chaque animal, dans chaque autre être vivant, qu'il soit humain ou pas, être à la fois individuel et être à la fois le tout. Et cette sensation-là, l'énergie qui sous-tend cette sensation-là, c'est l'amour universel, inconditionnel, qui nous sommes un. L'énergie est une. C'est se brancher directement à l'énergie de la source qui est une. Ok, quelle attitude ça suscite alors Et ça vient face? briser, ça vient briser et dissoudre littéralement l'énergie de séparation archontique, de type archontique. Voilà, alors concrètement, quelle attitude ça suscite chez un humain face aux situations qui se passent? Pas d'accroche. Dès que on se laisse accrocher par une situation déplaisante, une déception, une frustration, une colère, on se laisse accrocher par cette énergie archontique de dualité et de séparation. Très bien. Alors comment se détacher de cela alors? C'est pour que ce soit clair pour les personnes qui vont écouter, hein.
L'énergie chez les humains part du chakra du cœur. C'est expanser l'énergie du chakra du cœur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être dans le non-jugement, dans l'accueil, Il y le a lâcher prise? le lâcher prise qui permet de changer de perspective. Voilà. En lâchant prise, il y a immédiatement d'autres perspectives qui s'ouvrent, qui se proposent, qui se mettent en place. Et à partir de là, on peut se déplacer de l'une à l'autre sur des perspectives de plus en plus larges. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre une position plus haute pour voir les choses d'en haut et de voir Oui. un plan divin s'accomplir, que tout est juste et à sa place, et Oui. être en paix avec ça? Ah oui, c'est ça. Se sentir sur le point zéro, sans émotion, sans passion, sans peur. Tout ce qui est passion et peur ramène immédiatement sur le plan physique terrestre, 3D, avec toutes ces énergies de séparation. Très bien. En lâchant prise, on se détache littéralement. Il y a une sérénité qui s'installe et les perspectives s'ouvrent. Cela permet de contempler tout en les ressentant et en les vivant toutes les situations, mais sur un plan beaucoup plus large, donc. Qui paraît violent et dur d'une autre perspective, semble tellement lo lointain et finalement sans importance. Donc ça donne pas prise, aucune accroche. Et Non, ça glisse, il n'y a pas d'accroche. ça permet que cette duplication n'ait pas lieu, puisqu'il n'y a pas le consentement de la conscience humaine et de la participation. Quand la duplication voulue par le système archontique n'a pas de système d'accroche et qu'elle n'a pas de consentement, qui lui-même est un système d'accroche, il n'y a aucune possibilité qu'elle se mette en place. Voilà, Elle il se faudrait que ce soit dilue, elle se entendu. dissout. Donc la solution est toujours de l'intérieur et par la responsabilité de chacun de nous. Oui. Très bien. Reprendre son pouvoir en main et sa confiance en sa partie divine, en sa nature fondamentale qui est éternelle et indestructible. Oui. Parfait. Alors on en revient à Jaina. La puissance archontique n'a que la puissance que l'on lui laisse prendre, Exactement. qu'on lui accorde, c'est tout. Est-ce qu'il y a une action que nous pourrions faire maintenant sur un plan collectif en proposant par exemple chacun d'entre nous, ici et maintenant, et toutes celles qui verront ces vidéos, cette vidéo ultérieurement, peu importe, puisque sur un plan quantique, tout est simultané, est-ce qu'on peut inviter la conscience collective maintenant à entreprendre une action pour, pas contre, bien sûr, mais en envoyant de l'amour, par exemple, ou par quelconque autre moyen, pardon, je vais y arriver, pour, on va dire, faire pencher la balance du côté de l'amour. Oui, en augmentant la puissance de cette énergie d'amour inconditionnel qui vient raviver et faire grandir les flammes d'amour divin, d'essence divine de chacun des humains. Très bien. Alors, je vais proposer ici et maintenant à toutes les consciences qui regardent cette vidéo, qui sont dans cette intention de se relier les uns aux autres par le cœur, évidemment.
Oui, il y a une expansion au niveau du chakra du cœur qui se produit. Voilà, d'être dans l'intention, d'être au point zéro, d'être interrelié dans cette intention de vague d'amour collective, incarné, désincarné ou sur d'autres d'autres plans également. Tous les êtres qui maintenant sont dans cette intention de changement et de cette fin de cycle. L'énergie du chakra du cœur n'a aucune limite. Elle s'expanse, elle s'étend et elles viennent toutes se relier les unes aux autres. Ça fait comme une force puissante qui grandit, qui monte, qui s'expanse et qui vient. Ça fait comme une sorte d'effet de groupe. Ça vient emporter, cette vague puissante vient emporter avec elle, vient faire grandir, vient raviver toutes les flammes divines qui étaient faibles, très faibles, même les plus faibles, même celles qui étaient à l'état simplement de braise. Retrouve de la puissance. Y a un effet de balance qui se produit. Il y a des changements d'équilibre qui se mettent en place. Alors que tout ça se fasse sur les plans multidimensionnels, sur les plans quantiques, sur Oui. les plans fractales, Oui. et que tout ça soit sécurisé également. Oui, il y a quelque chose avec les lignes de temps Oui. qui Toutes les lignes de bougent. temps sur tous les plans. C'est comme une sorte d'onde qui vient informer toutes les lignes de temps. Très bien. Et que tout cela soit sécurisé, chacune des lignes de temps, et que toute cette bulle d'intention et d'action soit sécurisée pour le collectif, qu'il soit humain et autre. Oui, c'est fait. Qu'est-ce que tu vois d'autre chose qui devrait être, ou qui pourrait être ajouté pour parfaire ce processus, pour l'amplifier ou le sécuriser? L'amplification et la sécurisation, elle se fait à la base individuellement. C'est chaque individualité qui vient nourrir et informer cette énergie-là. Par l'intention et comment on peut dire ça, la mise à niveau fréquentiel. Alors que chacun soit au point zéro pour que ça puisse se réaliser le plus efficacement possible. Oui. Tu me dis quand c'est bon? Oui, c'est bon, ça vient réveiller des prises de conscience. Et bien sûr, ça va continuer au-delà de cette séance et s'amplifier et se multiplier, se dupliquer. Je veux que ce soit une contamination, un virus pour le monde archontique. C'est Et comme les tout braises, s'esvire. c'est comme les braises d'un feu qui se ravive. Voilà. Oui, c'est bon. Très bien. OK. Alors, on revient à Jaina. Oui. Alors, on va demander à son soi supérieur. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire pour elle maintenant? Est-ce qu'il est préférable de refaire une ligne de temps, aller directement sur le plan, on va dire, mourantiel, pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer son incarnation à neuf, ou est-ce qu'il préconise autre chose?
C'est raviver les braises de son essence divine de maintenant. Très bien. Et de quelle manière peut-on s'y prendre? En éclaircissant les brumes qui opacifient l'espace entre sa partie physique et son soi supérieur. Tu peux répéter, il y a une coupure. En éclaircissant quoi? En éclaircissant les brumes qui opacifient l'espace entre son soi supérieur et sa partie physique. Très bien. Et comment peut-on éclaircir? Je fais l'imbécile, hein, mais je veux les informations. Je considère ne rien savoir. Ça vient du chakra cardiaque. La base est là, sur le oui. plan physique. Elle se trouve là. Raviver les braises de l'amour inconditionnel. Raviver les braises de la puissance intérieure. Ça part de là. Très bien. Alors, on va inviter Jaina à le faire tout de suite. Je suppose qu'elle sait de quoi nous parlons et qu'elle sait exactement comment faire. C'est comme le feu qui repousse les ténèbres. Alors, que cela soit maintenant. Dis-moi comment elle s'y prend. Elle se recentre sur elle-même. Mmh. Elle vient raviver le feu, les braises de sa flamme intérieure. Ça vient dissiper le brouillard entre sa partie physique et sa partie subliminale, ce qui permet à la partie subliminale de communiquer de nouveau directement avec la partie physique. Ça vient éclairer aussi l'âme. On peut voir de nouveau le visage de l'âme qui est là, qui vient se réchauffer, qui reprend confiance et qui reprend de la présence et de la consistance. Bien. Alors moi, je vais proposer quelque chose. Son soir supérieur me dira si c'est correct. Je veux l'emmener à la fin de la séance qu'elle a faite avec nous en février et qu'elle retrouve tous les bénéfices de cette séance, enrichi bien sûr de ce qui vient d'être dit, fait, entendu, compris, ici et maintenant. Oui. Est-ce que c'est adéquat? Oui. Alors allons-y. On va à la fin de cette séance, avec tous les bénéfices, de toutes les compréhensions, toutes les énergies, toutes les résolutions à neuf, et tout son potentiel disponible. Oui, là, elle a repris contact avec toutes ses potentialités. Bien. Intactes, telles qu'elles étaient, à ce bien. Moment-là. Très bien. Alors, elle ramène tout ici et maintenant. Elle traverse toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Et mieux encore, elle va traverser chaque seconde qui a eu lieu dans le contexte quel qu'il a été, jusqu'à ici et maintenant, dans cette nouvelle conscience et énergie. Et je veux savoir comment ça se passe. Elle n'est plus atteinte par ces brumes opaques, étouffantes. Elle traverse tout l'espace-temps avec sa lumière haute, claire, vivante, lumineuse. Forte, puissante. Elle est en équilibre. Elle n'est plus dans la dynamique. Elle a dépassé le stade de la dynamique où la lumière repousse l'ombre. Elle est dans l'équilibre de sa propre puissance qui s'exprime
dans l'état neutre de non-dualité, avec la base, avec pour base son point zéro, qui se situe dans le chakra du cœur, et qui est dans l'établissement de cet équilibre. Et là, ça s'expanse. À partir de là, ça vient comme gommer. Ça vient gommer ces nuages, ça les dissout, ça les fait disparaître. Ils n'existent plus pour elle. Bien. Alors maintenant, elle va sécuriser toutes ses lignes de temps, sécuriser dans toutes les dimensions, surtout sur tous les plans. Donc toute la séance et également la métabolisation. Elle sécurise tout. Inviolable, impénétrable, indétournable. Elle fait ce qu'il faut sur tous les plans, dans toutes dimensions, dans tout plan de réalité, dans toutes les formes d'existence, dans toutes ses parties horizontales et verticales. Oui, ça a changé sa ligne de temps dans le passé. Dans ce que nous, on appelle le passé. Ça recrée un nouveau point de jonction. Ça crée un nouveau présent. Et de ce présent-là, partent, comme les rayons d'un soleil, des passés et des futurs. Très bien. Parfait. Bien. Est-ce qu'on peut considérer que là, le travail est complet pour elle, ayant récupéré tous les bénéfices de sa séance, enrichi de ce qui vient d'être fait, dit compris, est-ce que pour elle, le travail est complet? Oui. Bien. Alors, on va passer à la phase de sa liste de questions. Oui. Alors, donc, elle parlait de son fils qui est diagnostiqué Covid. Connecte-toi à son fils. Je veux savoir exactement ce qu'il en est de ce diagnostic, de ce qui se passe. De quoi il est affecté exactement? Il est branché directement sur l'égrégore Covid. Il développe les symptômes de... D'accord. Ok. Qui sont bien là, réels, sur le plan physique. D'accord. Il a développé les symptômes de l'égrégore. Et donc, c'est bien un Covid qui le touche ici et maintenant. Oui. Et cette vague de Covid dont elle parle dans son hôpital, l'hôpital où elle travaille, de toutes ses collègues qui sont apparemment affectés du Covid. C'est le même principe, ils sont tous et toutes connectés à cet égrégore-là, déclencheur. Qu'est-ce qui a connecté à cet égrégore? Je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce qui leur a permis de se connecter à cet égrégore? Autrement dit, quelles sont leurs responsabilités dans cette connexion à l'égrégore? Il y a quelque chose avec la loyauté. Comme si pour rester, faire partie intégrante du groupe humain, il fallait se connecter à l'égrégore auquel adhère la majorité. C'est comme si c'était une question de survie. Que se produirait-il s'il ne le faisait pas? Ou en tout cas, quelle est la peur? La peur de... Il y a quelque chose d'instinctif. C'est la peur du rejet du clan. Mais du clan, ça ramène à quelque chose de des notions très archaïques de l'humain tel qu'il était au tout début de l'humanité,
où la survie de l'humain dépend de l'appartenance à un clan. S'il est rejeté, c'est la mort. Ok. Ça fait appel à ces archétypes-là. Et en ce qui concerne son fils, est-ce que c'est aussi ce qui lui a permis de contracter, de se connecter à cet égrégore? Ça se passe au-delà de la conscience. Mais en sous-main, oui, c'est ce qui se passe. D'accord. Ok. Ce sont des sortes de mécanismes inconscients qui sont intrinsèquement liés à la construction de la psyché humaine. C'est des déclencheurs qui ont été installés dans la psyché humaine dès sa construction, dès sa création. Ok. Alors, quelle est la solution maintenant pour son fils et pour toutes, on va inviter toutes les personnes concernées de l'hôpital et même du monde entier. Hein, enfin bon, toutes les personnes qui sont dans cette intention de sortir de ce système et de reprendre son pouvoir en main. On va inviter tout le monde, toutes les personnes qui écoutent maintenant ou plus tard ou un autre jour ou qui sont touchées d'une manière ou d'une autre, peu importe. Donc j'invite tout le monde et j'aimerais que tu me dises quelle est la solution pour chacun. Il y a quelque chose par rapport au manque de confiance en sa propre puissance. C'est comme si cet instinct grégaire prenait le pas sur la sensation et la conviction de sa propre puissance. Alors, comment est-ce qu'on pourrait inviter toutes les personnes qui sont en présence de cette intention, comment pourrait-on les inviter maintenant à reprendre cette confiance en eux? À se connecter à leur source. C'est ce qui permet de passer par-delà cette forme d'instinct grégaire qui est repris, utilisé par cet égrégore. Est-ce que ça pourrait être aussi être de prendre du recul, de voir tout ça comme une illusion? Oui, mais pour pouvoir percevoir tout cela comme une illusion, il faut être connecté directement à sa source. Très bien. Et à ce C'est le moment-là. fait d'être déconnecté de sa source qui fait que les humains s'accrochent à des illusions. Et donc connecté à sa source, chacun peut voir tout cela comme une illusion et dédramatiser la situation. Oui. Et choisir pourquoi pas aller sur ta, mais pourquoi pas en rire également de cette grande mascarade. Oui, mais il faut même du lâcher prise parce que même par rapport à cette manipulation sur quelque chose qui existe mais qui a été suramplifié. Je sais pas, il y a comme des bénéfices secondaires, il y a tout un système de bénéfices secondaires. Et tout ça, c'est lié à l'instinct grégaire. Si on se détache de ça, il y a en arrière-plan la peur d'être rejeté, d'être faible et isolé. Donc, il y a quelque part des bénéfices secondaires à être malade. C'est étrange, mais Ben non, c'est pas étrange. c'est bien comme ça que fonctionne le mécanisme. Ça génère des bénéfices secondaires à faire partie du groupe et à être en sécurité, bien que ça puisse sembler paradoxal, parce que de cette façon-là, on est répertorié comme faisant partie d'un groupe.
Ça apporte une sorte de légitimité. Mélanie méditera sur cette question de qui nous sommes et de notre vraie capacité, de notre vrai pouvoir. Et le fait, ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que le fait d'apporter ce bénéfice secondaire de légitimité, c'est non seulement au niveau personnel, mais c'est aussi au niveau professionnel, au niveau social, où il y a cette reconnaissance et où ça apporte un bien fondé. Ça va même jusqu'à apporter un sens à son existence et à sa propre vie. C'est-à-dire, ça ramène jusqu'à la question primordiale de est-ce que mon travail a un sens? Est-ce que mes paroles ont un sens? Est-ce que mes prises de position ont un sens? Ça va jusque-là. Ça vient apporter une légitimité. Très bien. Alors, quelle est la solution pour toutes ces personnes qui sont dans cette, dans, on va dire, l'attachement aux avantages secondaires? Ça ramène toujours à se détacher des illusions pour se connecter directement à sa source. Ça veut dire aussi accéder à des renoncements. Oui, mais ça veut dire lâcher la peur. Mmh. Une sorte de peur viscérale d'être exclu du groupe et de se retrouver sans ressources, dans le froid, le noir et l'obscurité, hors du clan. Serait-il utile de rappeler que lorsqu'on est connecté à son essence, toutes les solutions arrivent de tout ce que nous avons peur, en fait, qui n'est qu'une illusion. Toutes nos solutions arrivent presque magiquement. Tout ce dont nous croyons ne pas pouvoir, ou croyons que dont nous allons manquer, etc. Est-ce qu'il est important de rappeler que tout cela, maintenant, connecté à son essence, peut trouver des solutions magiques, miraculeuses, inattendues, synchroniques? Oui, cela implique de passer par-dessus. Ça implique de faire fi des conditionnements, deux types de conditionnements, ceux mis en place depuis l'enfance par le milieu familial, social, éducatif, et par les conditionnements génétiques mis en place dès la création de l'humanité. Très bien. Bon, on va revenir à son fils. Oui. Voilà, donc on va l'inviter. On va d'ailleurs inviter toute la famille, les deux familles. Oui. On invite tout le personnel de l'hôpital et tous les abonnés, bien sûr, à ma chaîne, mais aussi tous les humains, abonnés ou pas, et toutes les consciences humaines ou pas également. Donc, à prendre connaissance de tout ce qui a été dit, fait, entendu, et à profiter pleinement, mettre à profit donc tout ce qui a été partagé lors de cette session et dont chacun peut bénéficier lorsqu'il en émet l'intention, qu'il ait confiance que cela est possible, que c'est pour soi et que la vie est magique, connectée à sa présence, intérieure, à son essence. Ah oui. Voilà. Donc j'invite tout le monde, et c'est possible ici et maintenant, quel que soit le moment où cette vidéo est regardée, même si c'est pour dans 10 ans, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace sur le plan quantique. Et qu'au point zéro, chacun peut recevoir tout ça par le cœur, avec les compréhensions, important les compréhensions.
C'est reçu et ressenti plus ou moins pleinement suivant l'élément bloquant, c'est la peur. Personne n'est égal, hein? Non. Donc chacun reçoit à sa mesure là où il en est, et c'est juste pour chacun. Chacun est dans sa perfection, dans la perfection de son imperfection. Et c'est juste pour chacun. Tout cela n'est qu'une aventure. Et chacun déroule son aventure à son rythme. Oui, chacun reçoit l'information en fonction de son degré, en quelque sorte, de lâcher prise, de peur, d'expansion de conscience, de volonté aussi de reprendre ou pas son propre pouvoir. Très bien, c'est qui demande du courage, du Oui. discernement, de la volonté, Oui. du lâcher prise, de la confiance, de la foi. Oui. Très bien. Je vais inviter maintenant à couper tous les liens toxiques. Chacun coupe tous les liens toxiques, à commencer par les égrégores. Les liens des égrégores sont très Puissant. puissants, épais. Oui, mais ils trouvent leurs racines dans les attachements. Oui. Alors chacun médite sur ce qu'est l'attachement et sur les avantages secondaires et voit si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Il y a comme une sorte de remise à zéro nécessaire afin de réétudier précisément ce que chaque conscience veut vraiment. En tout cas, l'information est disponible, l'opportunité est là, chacun est libre. Et que tous ceux qui sont prêts maintenant coupent tous les liens toxiques, qu'ils soient humains, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient d'égrégores ou autres. Chacun Oui. maintenant se débarrasse de tout cela et ne donne plus prise à cette intention archaïque de garder la main sur un cycle qui n'a plus lieu d'être et qui part en déliquétant, en déliquescence, et permet également de ne pas actualiser ces duplications, ces tentatives de duplication, de ne pas les alimenter. C'est la responsabilité de chacun. Oui. Toujours relié au cœur, au point zéro. Oui, c'est le point, c'est comme si c'était le point de départ. C'est là où sont situées les braises de la flamme divine qui permettent de faire grandir cette flamme. Très bien. Et puisque c'est la séance de Jaina, qu'elle travaille dans cet hôpital, elle a demandé à ce que cet hôpital soit protégé. Et c'est elle qui va le faire. Elle connaît maintenant la recette, elle sait quoi faire. Et tout le personnel qui travaille est invité également à faire ce qu'il faut pour changer l'énergie, déconnecter de tous ces égrégores. Et une sorte de coupole dense sur l'établissement. Et bien chacun va dissoudre maintenant cette coupole. Elle se fissure, elle se lézarde. Et au fur et à mesure que ces fissures s'agrandissent, ça se dissout. C'est même pas que ça tombe en morceaux, ça se dissout, ça s'efface. Et chacun coupe avec les égrégores et les archétypes. Oui. Et chacun va couper avec tout soi-disant karma. Chaque conscience le fait à la hauteur. De sa conscience et de sa volonté.
Tout à fait. Personne n'est égal sur son chemin. C'est bon. Alors, et maintenant, ils vont créer une bulle de protection. Chacun crée sa bulle individuelle et collective, à commencer par l'hôpital, une bulle christique avec toutes les protections. Et que l'information Covid et tout le reste, tout ce qui est relié maintenant, n'est plus d'énergie, n'est plus de substance. Oui. Et bien sûr. C'est une information, mais qui est vidée de sa substance énergétique. C'est ça. Désactivée. C'est ça. Et on peut l'éteindre sur le plan mondial. Je veux que ce soit comme une vague, un tsunami. Que tout cela maintenant s'étende sur le plan mondial, sur tous les plans, toutes dimensions, toutes fréquences. L'information, elle se transmet immédiatement. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est. Voilà. Et que tout ça soit amplifié par l'énergie du cœur, la conscience du cœur. Oui, une sorte de retournement, en fait, qui se fait. Bien. De changement, c'est comme si ça changeait de couleur. Très bien. Et nous allons sécuriser cette ligne de temps, toutes les autres. On sécurise tout. Oui. Voilà. C'est fait. Bien. Alors, je ne promets rien, tout ça n'est qu'expérimental, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est bon? C'est bon. Très bien. Alors, on revient à Jaina. Oui. Alors, elle a des douleurs dans le dos, les jambes, les bras, etc. Voilà. On regarde d'où ça vient. C'est tout le poids de ces couches épaisses, denses, collantes et gluantes qui la retiennent immobile. Donc ça, c'est l'ancienne ligne de temps. Oui, c'est comme des sables mouvants. Quand tu es dans des sables mouvants, tu fais un effort immense pour te dégager. Et cet effort immense génère des douleurs. Très bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il y a encore quelque chose comme ça? Non, mais... Il y a des mémoires. Bien. Mémoire, traumatisme. Des mémoires et des traumatismes. Oui. Des habitudes, des attachements. C'est des attachements à des croyances de façon de fonctionner. Et quelles sont ces croyances? Qu'il faut faire un effort pour que ça marche. Il faut faire un effort pour arriver à un résultat. Bien. Et cet effort, et comme tout effort, génère de la fatigue et de la douleur. Très bien. Alors, on va commencer par éliminer tous les attachements, toutes les programmations, toutes les mémoires, etc., tout ce qui a été vu et dit sur tous les plans, donc dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3, on élimine partout où ça se trouve. Oui. Bien. Et maintenant, elle va se programmer elle-même. Elle va dire que il n'y a pas que l'effort qui permet d'obtenir. Il y a des façons plus faciles, plus simples, plus rapides et plus productives. C'est d'être dans son attention, centré sur le cœur, et de se laisser inspirer par l'intérieur pour poser les gestes justes. D'avoir cette confiance et d'être comme dans une danse de la vie, où tout coule et fluide et magique. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe quand on est connecté à son essence. Oui. Et qu'elle peut tout faire dans la grâce, la légèreté et l'efficacité. C'est fait. Bien.
Alors, elle va réinformer toutes les parties de son corps, pas que le dos, les jambes et les bras, mais toutes, y compris son ventre qui a été opéré, son utérus où il y a eu l'ablation, etc. Que son aller mental, donc, également reçoivent l'information et toutes les parties, cellules, atomes, particules, organes, systèmes, fonctions, que tout soit réinformé et stabilisé. Oui, c'est fait. Que tout soit connecté au chakra cardiaque, reçoive force de vie et amour. Oui. Connecté au cœur de Gaïa, reçoive vitalité. Oui. Et relié à l'essence, reçoive information et énergie et conscience. Oui. Et que tout se remette en mouvement dans la fluidité, légèreté et fonctionnalité. C'est fait. Bien. Voir globalement. Légère. Il y a un soulagement qui s'est mis en place. Bien. Et oui, c'est ça, c'est une légèreté aussi. OK. Alors les autres points qu'elle a évoqués, donc elle n'a pas déménagé, elle n'a pas son permis de conduire, elle n'a pas de nouveau chéri, le partage des terres de la famille n'a pas avancé. Donc, Tout a été englué dans ces sables mouvants voilà. énergétiques. Mais comme nous avons fait un travail et qu'elle est retournée à ce travail, que tout a été réactivé, est-ce que tu vois que maintenant tout est relancé dans sa perfection? Enfin, dans les meilleures conditions, on va dire. L'énergie circule de façon fluide et vive Bien, dans toutes les en elle, directions. oui. En elle et autour d'elle, et dans toutes les directions, oui. Très bien. Alors, connecte-toi du côté de son père et regarde si il a fait un travail occulte ou pas et si ça a un impact sur elle et sa bulle de création. Il y a eu un travail de fait, mais ça comme était simplement un élément supplémentaire. Mais ça n'est pas l'élément principal. Ok. Alors quel impact Donc ça a maintenant? elle s'est accrochée à cela parce que c'est quelque chose de connu dont elle a reconnu l'essence. Mais ça n'est pas par rapport à tout son état intérieur, ça correspond simplement à 10%, c'est tout. D'accord. Bon. Donc là maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'elle est atteignable? Non, elle est au-dessus. Bien. Alors. Ça la touche pas, ça l'atteint pas. Très bien. Donc elle renforce l'amour en elle et autour d'elle et dans sa bulle de création et dans toutes ses bulles d'intention. Oui. Parfait. Est-ce que tous les liens codes toxiques sont coupés? Oui, c'est fait. Bien. Alors, l'addiction à la nourriture et au tabac. Regarde si dans cette nouvelle ligne de temps, elle a encore des raisons de rester addicte. Non, c'était des conséquences, des façons pour elle de résister. Bien. Regarde s'il reste des mémoires, traces, empreintes, attaches, dépendances, des Il reste programmations. des mémoires, comme des programmes répétitifs de fonctionnement à une situation. De l'élémental du corps, des traumatismes aussi. Ok, des habitudes. Oui. Bien, alors partout où c'est inscrit, on élimine. Sur tous les plans comme cité. 1, 2, 3. C'est fait. Alors pour faciliter le travail, on va aller dans le futur, au moment où la métabolisation est complète et réussie. Oui. Et je veux que tu me dises comment elle se sent maintenant, comment elle se voit, comment elle bouge dans cette situation. Y a une sorte de poids qui n'est plus là, notamment au niveau du plexus solaire.
C'est léger, c'est libre. Regarde si au milieu d'un groupe de fumeurs, elle a envie de fumer. Non, elle se sent pas concernée et elle n'a pas envie de l'être. Très bien. Alors, quels sont en contact avec toutes les sensations que ça induit? Le plaisir peut-être que ça peut lui donner de se sentir libre, de se sentir léger. En respirant, elle prend conscience du trajet que parcourt l'air dans ses poumons. Elle prend conscience de toutes les bronchioles, de toutes les alvéoles de ses poumons. Elle peut même. C'est libre, c'est souple. Et c'est agréable de les ressentir de cette façon-là. Elle peut même ressentir que chaque atome de l'air est une conscience et que par son attention, chaque atome maintenant libère tout ce qui doit l'être, transmute, guérit, dans ses poumons, dans ses cellules, dans ses organes, systèmes, fonctions. Oui. Et elle peut le ressentir pleinement, comme une sensation de légèreté, de libération, d'ouverture, d'élévation. Ça lui apporte une sensation joyeuse Et ben voilà. de bien-être. Qu'elle prenne le temps de bien le ressentir et d'en profiter. Parce qu'elle va ramener tout ça ici et maintenant. Oui. Et qu'elle en informe toutes les parties, qu'elle le ressente totalement, ici et maintenant. Oui, c'est fait. Et elle sécurise tout ça Oui. sur toutes les lignes de temps, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout plan de réalité. Elle sécurise. Oui, c'est fait. Très bien. Bon, alors on va faire une dernière chose. Le fameux arbre à paillettes d'or qui est cher à Tahiti. Elle va se connecter à l'arbre à paillettes d'or, elle va inviter toute sa famille et toutes les consciences humaines. Allez, soyons fous. Et dis-moi ce qui se passe quand chacun est connecté à cet arbre à paillettes d'or. C'est un seul arbre, mais avec de multiples ramifications qui génèrent d'autres arbres qui ont à leur tour leur propre individualité, leur propre conscience et leur propre autonomie. Chacun son arbre. Oui. Allez. Et dis-moi ce qui se passe alors quand chacun est connecté à son arbre, individuellement et collectivement. Il y a des paillettes d'or qui se mettent à exister dans l'espace énergétique de chacun. Ça vient faire monter des fréquences. Ça vient faire briller littéralement toutes les couleurs des espaces énergétiques de chacun et chacune. Très bien. Alors pour que ça ne dure pas que le temps de cette séance, chacun va le projeter sur sa ligne de temps future. Que ça nourrisse toutes ses lignes de temps futures, ses bulles d'intention et de création. Ah Et les oui. protège. Chacun protège sur tous les plans, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes lignes de temps, tout espace-temps. Chacun y installe des protections de l'habilité ineffluençable, indestructible. Oui. Oui, c'est fait. Très bien. Bon, eh bien écoute, ça va être la fin de sa liste. Nous allons continuer le protocole. Est-ce que tu es prête? Ah oui. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de couper, désactiver le numéro d'INSEE, tout ça? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que tout ça a été réactualisé? Est-ce que ça a été remis sur les...
Ça a déjà été fait et ce qui avait été mis en sommeil a été réactivé. Très bien. Donc, elle a récupéré tous les bénéfices de sa première séance, enrichie de ce qui vient d'être fait. On est Oui, d'accord. oui. Est-ce que tu vois quelque chose qui resterait à faire maintenant pour elle et pour tous ceux qu'elle aime et pourquoi pas le collectif? De rester vigilante à cette prise de conscience, à cet état d'être. Il est de sa responsabilité de la maintenir vivante, existante, dans chacun de ses présents successifs. Très bien. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de... Donc, la séance est protégée, on est d'accord? Oui. Est-ce qu'il est nécessaire de refaire les protections des différents états de conscience? En sécurité, mais c'est une réactivation. D'accord. Mais pour la conscience, oui, c'est une sécurité. On va d'abord regarder son domicile. Regarde si comment tu vois son domicile. Il est en lien direct avec ses fréquences, son domicile. Donc dès qu'elle baisse de fréquence, les fréquences du domicile baissent aussi. Et comment tu le vois maintenant? Est en train de remonter en fréquence. Ok, il y a besoin d'un nettoyage ou pas? Pour accélérer le processus, oui. Allez, elle fait une grosse tornade. C'est fait. Elle réactive tous les dispositifs qui ont été mis. Elle les nettoie si nécessaire. Et elle les réactive, que ce soit les fleurs de vie, etc., le diamant. Oui. Voilà, elle réactive tout, hein? Tout ce qui a été mis sur le plafond. C'est fait. Elle remplit son espace. Elle met tout ça dans une bulle christique. Les habitants également. Oui. Et tout est réactivé. On est d'accord? Oui. On va faire une chose, on va mettre sur la sortie d'eau de la sortie générale de l'eau, on va mettre un filtre qui va filtrer toute énergie et qui va programmer l'eau pour transmuter des informations de santé, de légèreté, d'optimisme, de joie, neutraliser Oui. toute, désactiver toute substance chimique. Oui, c'est fait. Très bien. Bon, eh bien écoute, nous allons procéder au retour. On va inviter tout le monde à faire sa douche énergétique. Chacun trouve son portail et sa cascade. Et donc, chacun va trouver, va être sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles. Et chacun est invité, chaque auditeur également, chaque personne est invité à faire cette douche de nettoyage à l'intérieur, sur et autour de soi, et en profiter pleinement. Oui, c'est bon. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Oui. Et la particule de lumière mère, idem. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Très bien. Alors, dis-moi quelle était sa fréquence selon notre propre échelle de mesure avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle est à 55 et maintenant elle est à 118. Très bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui.
lui. Moi, cette nouvelle ligne de temps réactivée dans ses, on va dire, ses recontacts établis avec ses parties supérieures et cette nouvelle version, bien sûr, d'elle, donc réactivée également. Oui. Et nous allons, donc, nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. Les yeux. Coco, comment te sens-tu? Bien. Très bien. Théa, tu peux remettre le son. Voilà. Merci bon. Manuel, merci Pascal, merci pour ma sœur, merci pour mon neveu aussi, merci pour l'hôpital, merci pour tout le monde. Vraiment. Et puis merci pour les arbres à paillettes d'or. C'était chargé. Et puis alors, toutes les infos, là, bravo Emmanuel pour toutes les infos que tu as ramenées là, par rapport au collectif humain, par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est juste incroyable, quoi, hein, que tu as pu ramener comme information là, par rapport à tous ces égrégores du collectif humain, par rapport à cet égrégore du Covid. C'est juste hallucinant, comme toujours. En tout cas, merci. Hein, merci à tous les deux. J'espère que tu as profité de la séance, hein, que tu l'as fait avec tout le monde. Hein. Oui. Non, mais justement, ça, j'en ai bien profité. J'ai été très contente de représenter ma sœur au final, puisque, bon, il y a eu des choses qui m'ont parlé pendant la séance. Bon, et c'était effectivement beaucoup de... Je crois que jusqu'à maintenant, Pascal, j'étais la béquille spirituelle de ma sœur. Donc, je pense que quelque part, ce que ma sœur a vécu, j'ai dû le vivre en parallèlement, puisque jusqu'à présent, j'étais sa béquille. Et donc, je pense qu'il y a eu comme les bases communicantes, ce que j'ai traversé dernièrement, la compréhension que j'ai eue, c'était ça. Une espèce de base communicant avec ce qu'elle vivait ma sœur par rapport à son opération, par rapport à plein de choses. Donc, c'est du super. Merci en tout cas. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci, puis bon appétit surtout. Hein. Oui, c'est vrai, c'est l'heure. Hein. Voilà, c'est l'heure. Et puis reposez-vous, vous l'aurez bien mérité. Hein. Bon, tu nous diras, hein, tu nous tiens au courant. Voilà. Je peux publier la vidéo alors. Voilà. Et puis il va flouter pour moi parce que par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à l'hôpital, hein. Par rapport à tout ce qu'on a dit. Ok. Bon, merci à toi et puis à bientôt Théa alors. Hein, à bientôt tout le monde. Au revoir. Et qu'elle revoie sa vidéo plusieurs fois, hein, et qu'elle que maintenant, hop, ouais, parti. Bon, allez.